Hallo Leute, bonjour à la lit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un beau gâteau alsacien, le Kugelhopf. Les historiens peinent à reconstituer l'histoire du Kugelhopf car peu d'écrits en font mention avant le 19e siècle. Il est en tout cas certain que le Kugelhopf existait déjà au XVIIIe siècle, qui est la date des moules les plus anciens que l'on a retrouvés. Il existe donc plusieurs légendes qui permettraient d'expliquer l'origine du Kugelhopf. L'une d'elles provient de Ribeauvillé et prétend que cette pâtisserie fut confectionnée pour la première fois par les rois mages pour remercier un pâtissier local du nom de Kugel de son hospitalité et que la forme est celle de leur turban. Marie-Antoinette aurait mis à la mode à la cour de France ce gâteau populaire en Autriche. Une autre affirme que la brioche alsacienne serait originaire de Bethléem. Un roi mage, en sortant de la crèche, y aurait oublié son chapeau, un turban en fil d'or serti de diamants en forme d'amande. À son retour de croisade, ce couvre-chef se serait retrouvé chez un pâtissier strasbourgeois qui serait servi comme moule. Ainsi serait né le Kugelhopf, qui signifierait turban en alsacien. On raconte également que le Kugelhopf serait le père du Baba au Rhum, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et beau-père du Louis XV, avait installé sa cour à Lunéville en Lorraine. Il trouvait le Kugelhopf local un peu trop sec. Pour le satisfaire, sa pâtissière a fait alors tremper le Kugelhopf dans un sirop de sucre additionné de rhum. Un siècle plus tard, le pâtissier Georges importe le Kugelhopf de Strasbourg, tandis que son collègue Stoer fait du baba la spécialité de sa boutique au Palais Royal. L'origine du mot Kugelhopf viendrait de Kugelhupf, Kugel signifiant cagoule, chaperon en français, à la mode au Moyen-Âge, en Allemagne, et Hupf venant peut-être de Hefe, signifiant levure. Certains pensent que la transition vient du mot Kugelhut, Kugel signifiant boule et Hut, chapeau, qui était le chapeau des parlementaires de Strasbourg à l'époque. Le Kugelhopf est une pâte Il s'agit d'une brioche à pâte levée dont l'apparence est caractéristique en raison de son moule, qui lui donne donc une forme haute, cannelée et creusée en son milieu. Le Kugelhopf peut être sucré avec des raisins secs, imbibés de rhum ou de kirsch et des amandes, ou salé avec des lardons et des noix. Cette spécialité a été pendant longtemps un gâteau de célébration préparé pour de multiples occasions. Noël, mariage, fête de naissance, fête de village. Il est plutôt dégusté de nos jours au petit déjeuner en version sucrée et à l'apéritif dans sa version salée. Bonne dégustation, bon appétit et Goethe.